une visite guidée dans les installations portuaires. Vous êtes passé notamment sur les sites qui concernent, qui vont bien évidemment profiter aux opérateurs maliens également. Et quelles sont vos premières impressions? Très bonnes impressions. Et j'avoue personnellement que on n'a pas beaucoup d'informations au Mali sur les possibilités réelles et les possibilités à court et moyen terme sur le port de Conakry. Je pense que ça a été l'occasion pour nous, ma délégation composée de douaniers et de chargeurs, c'était l'occasion pour nous de nous rendre compte de la réalité des choses. Et je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir par rapport à l'objectif que nous cherchons en ce qui concerne vraiment la vitalité et toute l'efficacité qu'on cherche sur le corridor Conakry-Bamako. Notre inquiétude au Mali, c'était un peu les capacités opérationnelles du port de Conakry. Je viens de me rendre compte personnellement que, mais disons, c'est des inquiétudes pour rien. La réalité est que le port aujourd'hui, c'est en tout cas avec tous les collaborateurs, tous les partenaires du port, ils se sont mis dans des dispositions d'investissement et d'initiative pour faire face vraiment au flux de marchandises que nous souhaitons sur le corridor de Conakry. De renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le Mali. Nous avons été honorés, la délégation et moi-même, d'être reçus à ce niveau le plus élevé de l'État. Et avant ça, notre événement de ce matin a été rehaussé par la présence des membres du gouvernement guinéen. Et avant tout cela, l'accueil et toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition nous sont honorés. Nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons l'état des relations circulaires entre la République de Guinée et la République du Mali. Et nous sommes en train de travailler par rapport aux orientations qui ont été données par les plus hautes autorités des deux pays en termes de renforcement de cette coopération-là. Et nous, Guam, nous sommes engagés à faire en sorte que le port de Conakry, comme l'a dit M. le DG, le port naturel du Mali, le port le plus proche de Bamako, soit le port le plus performant. Des pouvoirs qui me sont conférés par les excellences, mon colonel Mamadi Doumbouya et mon colonel Assimi Goïta, nous vous installons officiellement dans vos fonctions de représentant de la douane malienne au port autonome de Conakry. Je vous remercie. Excellence, monsieur le représentant de l'ambassadeur du Mali en Guinée, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve à vos côtés
sur instruction des plus hautes autorités du Mali, parmi mes frères et sœurs de Guinée, pour marquer cet événement si important à nos yeux, pour l'intérêt public, économique et social des deux pays. Je sais de vous un diplomate ayant fait cette preuve au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en qualité de directeur national du Haut-Commandement de la République. C'est avec la même volonté inébranlable de servir votre pays que vous menez votre mission d'ambassadeur auprès de ce pays frère avec lequel nous partageons la géographie, les valeurs sociales, culturelles et économiques. Mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement de la République de Guinée, mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin dans l'enceinte du port autonome de Conakry est de haute portée pour nous, Guadeloupéens. Je ne doute point qu'il revêt la même importance pour les Guadeloupéens guinéens. Il s'agit de l'inauguration de la toute jeune représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry et par la même occasion, l'installation officielle de notre représentant